N'importe quoi. Ouais, t'as vu? J'ai un tigre de hache collector du coup. C'est un tigre de hache collector. Il y a quoi en 9.3 allemand? Bah tu vas voir le léopard du cas qui va descendre en 9.3. T'as déjà le KPZ, t'as plein de trucs en 9.3. Mais le XM1 est déjà totalement fumé en fait son Bart, hein. Il n'y a pas besoin du 10.7 pour qu'il soit fumé, hein. Il va être encore. Il est déjà. Tu sors le XM1 en 10.3, tu le joues comme un light tank, t'es le boss, hein. Et ouais, c'est ça le problème, il va être encore meilleur. Le XM1 c'était en 10.3 avec. Joue-le comme un light tank et ça se passe très bien, hein. Grave, Loft in First ZTZ96, exactement. Oh, il s'est fait tuer pile au moment où j'ai tiré, c'est trop bien. Ultra Wars, le Leclerc, plus du cul, Leclerc. Non, en vrai, il est bien. 9.7. Salut, toi. Bon, bah, c'est gratuit, hein. Quand le jeu te fait des cadeaux comme ça, il faut les prendre, hein. Faut pas hésiter. Génial, j'irai pas jusque là, mais... Surcoté le Leclerc, à mon avis. Surcoté par tous les French fanboys. Je préfère largement un T80U au Leclerc, hein. Mais bon. Question de goût personnel, on va dire. Non, il est pas dégueulasse le Leclerc, il est bien. En fait, moi ce qui me saoule le Leclerc, c'est toute son armada de fanboy inutile là. Imagine se faire flank par un tigre de hache, les gars. Qu'est-ce qu'il a dit, Flacon? J'ai pas eu le temps de voir avant que tu le bannes. Ah. Bon. Même. Le Scott avec genre T81 contre le A5. Et les SRV22, c'est un carnage. Ouf! Il y a de la grosse bombe qui tombe là. Il s'est fait tuer ou pas? Oui, vu qu'on cap. Attends, je suis déjà en 5-0, hein.
6. Oubliez pas, hein. Oubliez pas. Surtout, n'oubliez pas le Germany Suffer, les gars. Germany Suffer. Ah non. Ah non. Ah mais il est même plus sur moi. Attends, bouge pas. Il est trop con. Je suis trop nul. Je suis trop nul mais il est encore plus nul. Trop cool. Mais n'oubliez pas Germany Suffer. Oh. Là-bas. Voilà. Il y en a d'autres qui veulent me feed ou ça se passe comment? Ah. Germany Suffer, on n'oublie pas. N'oubliez surtout pas. Voilà, Germany Suffer. ouais, du coup, YouTube, coucou les gars. Ouais, on s'amuse bien en live. Viendez. Ah non, hein. Pas d'avion. J'avais cru voir un truc. Am I crazy or am I not? Oh là, y'a un mec. Oh, il s'est fait. Oh, oh. Il s'est fait déchirer. On dirait les génies qui essayent de me tuer en M103. Ouais, c'est ça. Ah, mais gros. Ah, mais y'a du 200 IQ là en face. Hein. Ta 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 ra ra. Il y a eu un shoot. Et hop, 2-12. Et bon, calme-toi le panthère, il est mort. J'ai exterminé sa misérable existence. C'est fini, c'est fini. Ah, dommage. Ah. Nexo, c'est le mec qui refait Fury avec les Allemands. Ça fait beaucoup de médailles, là, quand même. Et dire que le Panther D va passer 5.3, ouais. Bon, bah voilà. N'oubliez pas, la note finale de cette partie, c'est... Germany Suffer. Et je vous souhaite une agréable journée. Mon Dieu. C'est bien cool en tout cas.
Le tigre de hache, quel monstre! Mais quel monstre! Tu vois, Dizzy, pourquoi je voulais jouer le tigre de hache? Il est très bien, hein. Il faut juste prendre toute ton équipe allemande dans ton sac à dos, ce qui est un peu compliqué, hein. Je vais pas mentir, c'est un peu compliqué de les mettre dans ton sac à dos tous là parce qu'ils sont un peu lourds et un peu difficiles, mais une fois que tu les as bien calés dans ton sac à dos, pa 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 pa, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. T'as vu, il est hey, franchement, il est clean ce hangar, genre OSEF. Attendez, je vous passe le lien. Bougez pas. Bougez app si vous voulez télécharger. War Thunder Live. Ta 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 Most downloaded. Où qu'il est.